comment s'y prend en 1967 un champion cycliste pour escalader un col de haute montagne? Raymond Poulidor, le plus doué des coureurs français actuels pour ce genre d'exercice, va l'expliquer à sa façon en grimpant le col du Tourmalet. C'est haut encore le sommet? Oui. On aperçoit encore les derniers toits de Sainte-Marie-de-Campan dans la vallée. Le pourcentage de la montée n'est pas trop accentué. Et Raymond Poulidor a encore la force de plaisanter. Mais jamais je vais arriver en haut, moi. Hein. C'est bientôt fini. 15 kilomètres. Cette fois, c'est parti, hein, je crois. En effet, c'est parti. Et une fois de plus, Raymond Poulidor va connaître la vraie solitude d'un coureur dans la montagne. C'est le bas le plus dur, là. C'est le bas le plus dur? Oula. Alors, 12 kilomètres. Pas vrai. Pourquoi est-ce que tu pédales en danseuse de temps en temps? Pour retrouver le rythme un peu. Puisque quelquefois sur la selle on a mal aux reins. En général, qu'est-ce que tu regardes quand tu pédales? Je regarde la roue devant. La tienne ou celle du gars qui est devant? Celle qui est du gars de devant, puisque on ne regarde pas devant. Puisque si on regarde devant, on voit que ça n'en finit plus. Alors on a déjà mal aux jambes, c'est fini. Et quelquefois, les 10 derniers kilomètres, on ne voit plus la route, on ne voit plus clair. Alors celui-là, c'est difficile. Évidemment, il y en a toujours qui sont plus forts que d'autres, ils débouchent. T'aimes ça, toi, quand ça débouche, ou tu préfères que ce soit régulier? Non, j'aime bien quand ça débouche. Mais pour ça, il faut que la course ait été dure avant. Sinon, si on aborde le col, que le peloton a roulé pas trop vite, ça fait mal après pour attaquer le col. On va souffler là un peu, puisque tout à l'heure, hein, ça va pas être du gâteau. Est-ce que tu entends les spectateurs quand ils t'interpellent dans un col? Des fois on les entend, mais dans le brouillard, dans les nuages. Ouh. Mais ça encourage quand même, ça fait du bien. Même ceux qui crient feignant, ça encourage. Tourmalet, c'est un col dur, hein? Oh, c'est un des plus durs, oui. Je crois que Pourquoi? Les Pyrénées, je les trouve plus durs que les Alpes, je sais pas pourquoi. Aussi la galerie, c'est là le plus dur. Oula! Et on croit que c'est pas dur. C'est pour ça que quelquefois, même si on a mal aux jambes ici, il semble qu'on a le coup de barre. C'est pas vrai, puisque c'est la route qui rampe pas. C'est un des endroits le plus dur, c'est droit. Alors, c'est l'avantage si on connaît le passage. On n'avance plus. Et c'est pour tout le monde pareil. Alors, quelquefois, c'est une histoire de courage. Le premier qui attaque, c'est le bon. On hésite à y aller, on a mal aux jambes. Quand on a mal aux jambes, il faut bluffer, alors? Il faut bluffer, oui, il faut faire voir qu'on est... Il faut attaquer. C'est quand on a mal aux jambes qu'il faut attaquer, quelquefois, mais... À la manger.
On n'est pas loin du sommet, mais 4-5 km peut-être. Et on a soif. Alors il faut continuer. Il faut endurer la soif. C'est mauvais de boire. Mauvais non, il faut boire, mais il faut savoir se retenir. On voit les bières fraîches tendues par les spectateurs. Ça fait envie. Alors on se donne le moral. On dit, j'en boirai deux à table au lieu d'une. Je me rattraperai. Trois kilomètres. Encore trois kilomètres. Capable de changer de braquet là juste à la fin? Oui, faut changer puisque autrement on s'asphyxie. Peut-être le brouillard dans la descente. Il vaut mieux monter avec le brouillard que descendre. Jusqu'en montant, on ne voit pas s'il reste beaucoup à faire, on ne voit pas les virages, ni les gens qui semblent être à plusieurs kilomètres. Alors on dit, peut-être le prochain virage, c'est le haut. Le drapeau rouge du kilomètre, je sais pas où il est. Il y a 49 minutes que tu montes. Oh, ce virage. Terrible. C'est reparti. Respirons un peu. Il fait plus 2 là seulement, t'as pas froid? Certainement que la température est fraîche. Mais on n'a pas froid. On a envie de se rouler dans la neige. La neige, elle attire. Ces gens qui passent à boire, on a soif, on n'a pas la force de lâcher les guidons. Puisque si on perd le contact, c'est fini. Il faut rester. Encore 500 mètres. C'est fini. Oh, ces derniers 500 mètres. Terrible. Classement du grimpeur. Oula, je vais exploser. On est dans le brouillard. Le coureur, au sens, au propre sens et à l'autre aussi. Ça y est. Allez, allez, plus qu'un virage. C'est fini. Ouh. Allez.
banderole. C'est fini. C'est fini. 17 km, 54 minutes.